C'est donc à moi, Vénus de Martre, née sous les mains habiles du sculpteur Praxitèle, admirée de toute la civilisation gréco-romaine, trônant dans la villa de Chiragan, que revient l'honneur d'éveiller pour vous ces merveilleuses sculptures. Lui, c'est le jeune Marc Aurèle, surpris ici dans sa jeunesse, au moment de son mariage en 145 avec Faustine la jeune, puis, 30 ans plus tard, imposant au fait de sa gloire. Mais laissez-moi, pour vous, mettre en lumière cette merveille, sans tête, Athéna, témoin de l'univers culturel d'une Grèce tant prisée par les Romains. Voulez-vous que j'anime cette sinueuse statuette de Bacchus adolescent, énigmatique, au corps instable, alangui, modèle de perfection presque féminin? Ce regard menaçant. C'est Maximilien Hercule, empereur, d'une incroyable robustesse, se voulant invincible, proche des dieux. Mais celui dont on connaît les légendes, Hercule, ici représenté dans un tumulte de marbre, combat Gérion, le géant à trois têtes. Préférez-vous cet anonyme militaire héroïsé dans son manteau polychrome? Regardez ce jeune et beau Caracalla, 12 ans à peine, fils de Septime Sévère, enfant impérial portant déjà son regard sur le lointain. Je ne peux m'empêcher pour finir de mettre en lumière ce portrait connu d'Auguste l'Empereur, couronné de chêne, au visage impassible, à l'éternelle jeunesse. Voilà, je me devais de redonner vie à ces belles endormies. Qui avec bien d'autres peuplait avec moi il y a 2000 ans la villa de Chiragan, ici à Martre-Tolosane. Œuvre remarquable que l'on peut aujourd'hui admirer au musée Saint-Raymond de Toulouse. Elles vous y attendent, moi aussi.